Premièrement, il est impératif que les initiatives de paix pour la région produisent des résultats concrets. En fin de semaine dernière, vous l'avez dit, les combats entre les FRRDC et le M23 ont repris, causant la mort de civils et des déplacements massifs de population. Plusieurs autres groupes armés, dont les ADF, la CODECO, multiplient les attaques. La France appelle tous les groupes armés congolais à participer sans condition au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Et les groupes armés étrangers doivent déposer immédiatement les armes et réintégrer leur pays d'origine. Dans la continuité des initiatives régionales, pour tenter de rétablir la paix, le dialogue doit être maintenu entre les États de la région. Les engagements qui ont été pris, que ce soit dans le cadre de la feuille de route de Luanda ou lors de la réunion organisée en septembre à New York, sous l'égide du président de la République française, doivent produire des résultats concrets. Et je pense notamment au retrait du M23, de toutes les localités occupées, et à la coopération pour mettre un terme à l'action des groupes armés, y compris des FDLR. Les consultations intra-congolaises doivent se poursuivre. Lorsque la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est sera déployée, la protection des civils devra être au cœur de son mandat. Et le respect du droit international humanitaire, la coordination avec la MONUSCO seront également les conditions de son efficacité. Pour l'ensemble de ces processus, le soutien de l'envoyé spécial est indispensable et doit se poursuivre. Et votre appui notamment à la participation de la société civile, des femmes, des jeunes, à toutes ces initiatives politiques est extrêmement précieux et le sera. Deuxièmement, une paix durable nécessitera de désarmer les anciens combattants, de protéger les plus vulnérables et d'assurer la justice. Les mesures militaires seules ne sauraient rétablir la paix. Dans la région, des mécanismes robustes doivent être créés pour la reddition, le rapatriement des anciens membres des groupes armés. Il est donc urgent que le groupe de contact et de coordination soit opérationnel. Le retour durable des réfugiés, des personnes déplacées par les conflits doivent également être assurés. Le renforcement de la coopération judiciaire doit par ailleurs se poursuivre avec la mise en œuvre de la déclaration de Kinshasa, adoptée au mois de juin dernier, et le lancement des consultations nationales sur la justice transitionnelle dans 4 provinces congolaises est à cet égard une avancée supplémentaire vers la justice et vers la paix. Ce même esprit de coopération doit prévaloir entre les États de la région pour prévenir et lutter contre le terrorisme. Et c'est pourquoi la France apportera cette année un soutien financier au Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies afin de renforcer les capacités de l'ensemble des États de la région. Enfin, et c'est mon troisième point, la lutte contre le trafic de ressources naturelles que vous avez évoqué, Monsieur l'envoyé spécial, doit aller de pair avec un développement durable au service des populations. L'exploitation illégale des ressources naturelles continue de financer les activités des groupes armés. Cette richesse naturelle doit au contraire être un facteur de développement. Et pour cela, le commerce des ressources doit être régulé, il doit être contrôlé, et les États de la région doivent transposer et appliquer les recommandations de la CIRGL en matière d'exploitation des minerais. Comme l'indique le plan d'action de l'envoyé spécial, des initiatives locales sont aussi nécessaires, et je pense en particulier au travail qui doit être engagé avec les petites exploitations artisanales dans le secteur de l'or. Enfin, les initiatives de développement au service des populations doivent se multiplier. Ce mois-ci, pour ce seul mois-ci, l'Union européenne a octroyé 25 millions d'euros à la République démocratique du Congo pour faire face à la crise alimentaire. Et en développant de nouvelles filières agricoles, les systèmes alimentaires seront plus diversifiés et surtout plus durables. Les ressources de la croissance économique doivent aussi être exploitées. Au Rwanda, l'Agence française de développement engage près de 200 millions d'euros sur la période actuelle pour investir dans le capital humain, le numérique ou encore la finance verte. Monsieur le Président, à la veille du 10e anniversaire de l'accord cadre d'Addis Abeba, les États de la région doivent redoubler d'efforts avec notre soutien pour préserver les gains de cette décennie. Et ils sauront compter, comme l'envoyé spécial, sur le plein soutien de la France. Je vous remercie.